Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Regardez, elle est déjà en train de manger alors qu'on va faire une vidéo où on mange les recettes de nos séries préférées. Ça va être incroyable. Donc déjà pour commencer, on va devoir cuisiner nous-mêmes nos recettes préférées qu'on voit dans les animés ou les séries manga qu'on kiffe. Je commence directement avec une recette salée, donc une recette dans One Piece. Ça va être les sortes de gros morceaux de viande qu'ils ont. Franchement, ça a l'air incroyable. Vous allez voir, je vais me dépasser sur cette série. Tout simplement réaliser la recette de One Piece. Vous voyez les gros poulets là. On va voir si justement avec ça, quand tu manges ça, tu transformes en... Ouais, ça me... Ah, Younes, je peux pas, Younes. Mais t'es obligé si tu veux des forces. Il est pas courageux. Tu crois le fier et tout, il mange des protéines. Et il mange quand c'est cuit, c'est pas lui qui cuisine. Bah, t'es obligé. Ah, il est grave bizarre ce mec. Bon, on va tout simplement entailler la chair. Ah, ça fait... Ah, c'est gluant. Mais c'est du poulet en douille. On va entailler... Il y a du sang, Younes. Et alors? Bah c'est logique, c'est un poulet. Tu crois qu'il vit avec quoi? Avec de la moutarde? Il y a quelques heures, Mskan, il courait. Et là, maintenant, il faut tout simplement... Regardez mon œuf. Faire ça. Il est bizarre. Vous voyez ou pas? Et là, c'est un bouquet de fleurs. Tu vois ou pas? En gros, un bouquet de fleurs de poulet. En gros, ici, il faut laisser un trou, là. Et si ça monte haut? Bah, tu mélanges. Attends, regardez, parce que Myriam, elle doit curer les œufs pour la recette de Yacine. Elle dit ça monte. Faut que tu mixes. Mais bon, c'est bon, t'inquiète, laisse comme ça. Prochaine étape, on va devoir mettre dans un mixeur 500 g de blanc de poulet haché en cube. Ok? Donc tac, tac, tac. Voilà. Ensuite. Ça marche pas, Younes. Je crois que t'es un peu bête quand même. Pourquoi ça marche pas à ton avis? Réfléchis. Il est pas vissé. T'as 46 ans, c'est pas branché. Ah ouais. Le poivre, par contre, tu l'as mis 2 cuillères. Une cuillère. Commencez même pas à dire. Et 2 cuillères, voilà. Et pour finir, il faut 2 grosses cuillères, donc 30 grammes de ça, la chapelure. Zalink. Je sais pas comment ça s'appelle. Une cuillère et 2 cuillères, voilà. Mister Younes, tu peux enlever l'œuf? Tu peux enlever l'œuf? Je sais pas s'il est cuit, mais rien pour regarder. Tac. Yacine, voilà. Il est cuit? T'es sûr qu'il est cuit? Je sais pas. Laisse-le encore un peu, ça lui fera pas de mal. Il faut placer l'œuf à l'intérieur. Oh, le truc de ouf, c'est pour ça que Luffy, il est grave musclé, grave balèze, il mange que des protéines. Il est grave gros. J'aurais besoin d'aide assistant. Tu veux quoi? Il va falloir me tenir le poulet pendant que je remets ça par-dessus. Bah, Myriam, tiens lui. Mais je tiens quoi? C'est bon, je le tiens, le poulet. Là, il faut entourer le poulet avec ça pour faire l'effet maxi poulet. Ouais. Vas-y, entoure. Je viens voir. Normalement, tu vois bien là. Non, pas très bien. Méga poulet. Ça ressemble bien, il est vraiment balèze. Maintenant, on va les mettre à cuire. Il est un peu bizarre. Bah non, c'est ça, on va les mettre à cuire. C'est normal, c'est pas cuit. On va le mettre à cuire et tu vas voir comment c'est toi. Okay. T'arrêtes de dénigrer mes recettes, toi. Hein. T'es prêt? 1, 2, 3. Waouh! Ça fait les mêmes. Attends, je vais essayer de le sortir sans le casser. Non, touche pas. Je vais essayer de le sortir sans le casser. Pousse-toi. Sors avec tes mains. Non, attends, il faut pas que je le casse. On va essayer de le sortir sans le casser. Oh là là, il va le casser. Ah ouais, ça tient. Bah oui, c'est cuit en douille. Bismillah. Wouah! La vraie côtelette de One Piece. Incroyable! Trop stylé. Attends, on va prendre l'autre. Alors moi, je choisis Homer parce qu'il fait que de manger. Il ressemble à Younes, comme ces gros là. Et en plus, j'aime bien ces donuts là, ils ont l'air appétissants. Donc, du coup, on va essayer de se débrouiller pour faire des donuts. Et peut-être ma mère elle va m'aider vu que je suis pas une cuisinière professionnelle. Eh viens, t'en fais un rose et un bleu. Regarde, rose et bleu. Ouais, vas-y. Vas-y, bon, on va commencer par mettre le... Bon, en gros, les donuts, faut faire la pâte et ensuite tu fais les moulages et tout. 40, c'est bon, parfait. Ok, la levure chimique, le sucre vanillé. Vanillé. C'est mal parti pour la levure. Je mets tout aussi, tac. Et là, une fois que t'as ça, faut que tu remues. Vas-y, remue. Ok, on va remuer. Remue. Est-ce que tu sais casser l'œuf sans coquille? Oui. Vas-y, rajoute un œuf. Il y avait une plume sur l'œuf. Bah, c'est normal, ça vient de la poule. Vas-y, rajoute. Mais pas de coquille. Vas-y, n'aie pas peur. Ok, ensuite tu mélanges. Mélange. Et d'ailleurs, c'est qui votre personnage préféré dans les Sims? Toi, c'est qui? Moi, c'est Homer. Oh, et maintenant il est temps de passer du rêve à la réalité. T'avais dit qu'il faut rajouter du sel. Ouais, alors, on va rajouter 6 grains de sel. 6. Ouais, c'est précis, 6 grains de sel. Bah oui. Oh là là, il y en a plus de 6. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas compter les grains là. Myriam, c'est 6 grammes, pas 6 grains. 1,
Elle est débile, mais c'est gras. C'est 6 grammes, pas 6 grammes. Pétrir sa pâte avec du beurre. Et franchement, au début, je pensais que ça allait être une catastrophe, ça collait à ses doigts et tout. Mais en vrai, là, elle a l'air pas mal sa pâte. Hein. Ouais. Incroyable. Elle va nous faire des bons donuts. Et vous savez que les donuts, c'est le plat préféré de Katakuri. Qui c'est qui Katakuri? Là, on va passer à la forme. C'est parti. Appuie bien fort. Ah, ouais, c'est un travail d'équipe cette vidéo. J'aime bien. Il n'y a pas de prank. Un bon travail d'équipe. Ok, attends, attends. Et arrête, tu fais le trou du milieu pour le donut. Regarde. Arrête, tu fais ça déjà. Qu'est-ce qu'ils nous fait? Voilà. Pas enlever la pâte. De... Non. Laisse ta pâte. Non, mais c'est pas grave, on fera après. Vas-y, après, vas-y, fais. Peut-être que je vais appuyer fort. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Ah! Appuie fort. Il voilà. n'y a pas appuyer fort, en fait, ça va rien. Vas-y, enlève-le. Incroyable. Ça, tu le gardes aussi. Oh là 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 là. Regardez, le premier donut par Myriam. Et donc, on va en faire plein comme ça. Il faut, les laisser se reposer, parce qu'ils aiment bien se reposer pendant 20 minutes, après on se reprend. Ils aiment trop se reposer. Les donuts sont prêts, c'est parti. Regardez-moi cette belle cuisson. En gros, donc, le premier, c'est notre mère, elle l'a fait pour nous montrer. Et là, là on va le faire. Vas-y, mets le donut dans l'huile. Tu te brûles pas, hein? Oui, en plus, il n'y a pas beaucoup de. Je mets où, Younes, ça pour le conserver. Attends, vite fait, Yassine, je suis avec Myriam là. Elle est en train de mettre les donuts à cuire. Donuts. Donuts, c'est pas comme ça, douillon. Bah comment je fais? Regardez comment elle a rendu le donut dégueulasse. Il est pas dégueulasse, il est bien. Oh la douillon. Regarde ce que tu fais, je vais te montrer une technique. Tu prends ça comme ça, et là tu poses le donut. Fais gaffe, ne pas te brûler, touche pas les trucs métalliques, ça brûle. Oh la douillon. Attends, je vais prends le décaler. Prends une spatule et décale-le. Oh la douillon. Younes, est-ce que je peux l'aider s'il te plaît? Ouais, vas-y. Vas-y, pousse-toi, je vais tout faire, t'inquiète. Est-ce que je peux vous aider? Voilà. Oui, s'il te plaît. Là, on fait le colorant du donut. Regardez, je suis déjà en train de manger. On a fait en gros du chocolat blanc avec du colorant on alimentaire. T'allais faire bleu. Non, on a fait rose. Ah, comme dans les Simpsons. Mais en tout petit peu, Myriam. Ouais. En gros, on a mis du chocolat blanc, de la crème liquide. Donuts. En fait, c'est trop fou. Est-ce que t'as la réflexion de celui qui chante cette musique? Donuts. Non. Donuts. Et on a mis du colorant rose. Vas-y, mélange. Enfin, la dernière étape, c'est parti. Regardez, elle a fait quoi, Myriam? À la fin, M comme Myriam. Incroyable. Et S comme Simpson. Incroyable. Ok, c'est parti. Maintenant, on va commencer pour le premier donut. Vas-y, fais un donut test. Ok, ça, c'est le donut test, vu qu'il n'est pas très bien. La forme, elle est bizarre. C'est parti. Comment tu fais? Ok, donc elle le trempe dans le liquide rouge. Vas-y, trempe-le bien. Vas-y, c'est bon, là, retire-le. What? Impeccable. Posez dans l'assiette. De quel côté? Là, ici, posé dans l'assiette. Comme ça? Non, du côté normal. Voilà, oh, comme ça, vas-y, pose-le. Voilà, impeccable. Dernière étape, on doit mettre des grains, donc les grains, c'est ceux-là, je crois. Ouais, mais c'est parti. Attends, j'en mets d'abord un peu. Non, mais tu peux les mettre direct, même s'il y en a qui sont dans l'assiette, c'est pas grave. Regarde, tu fais comme ça, regarde, je te montre. Pas comme ça, regarde. Wow. Comme ça. Arrête. C'est super. Voilà, oh, il est trop beau. Les résultats sont incroyables. Montre, s'il te plaît, comment c'est. S'il te plaît, montre mon poulet, comment c'est. Regardez comment il est. Une review. Oh là là, ça donne trop. Il ressemble trop au poulet de One Piece. Elle aussi, il fait ça, regarde, il fait. Et là, on a les donuts des Simpsons. Là, c'est seulement les deux premières recettes. Ensuite, tu auras ma recette à la fin de la vidéo. Donc, bougez pas. On va goûter. Ça nous a pris toute la journée. Franchement, on est fatigué, donc n'oubliez pas de bombarder les likes. Je les ai jamais vus autant cuisiner et franchement, je tenais à vous féliciter. Je te propose un défi. Le premier qui met un bottle flip, il a le droit de manger. Non, viens, on mange s'il te plaît. Non, Myriam, non, pas de défi. Croquez et testez votre truc. Attends, vas-y, je te laisse croquer en premier. Vas-y. Genre, mettre de la sauce. Ça, c'est One Piece. Moi, je pense que tu devrais croquer sans sauce déjà pour commencer. Si elle a le droit, si elle veut mettre de la sauce. Genre, on va goûter avec la sauce et après, on va goûter ça. C'est vraiment balèze. Oh là là, elle a mis un méchant croc. Voir comment c'est à l'intérieur. Oh là là, c'est comme dans le dessin animé. What? Alors? Incroyable. C'est vraiment trop bon. À ce bon. Point-là? Elle m'a trop hypé de goûter là. Vas-y, moi je vais partir sur du ketchup. Là, comme ça. Oh, là, je me sens comme Luffy. C'est moi qui l'ai préparé, les gars. Gamégam. Bismillah. Waouh. Ah ouais, à ce point-là? Oh, c'est grave bon, Yassine. Oh, je suis trop content, c'est moi qui l'ai préparé en plus. Myriam, elle est en train de le tabasser. Je comprends pourquoi il tabasse ça, Luffy. En plus, regardez ici, on arrive sur l'œuf. Et sur l'œuf, on met toujours un peu de mayo comme ça. Et on croque. Non, c'est à moi. Oh, ils sont en train de le tabasser. Le véritable donut des Simpsons, je vous promets, c'est son jumeau. On a tellement lutté pour faire la recette, Younes. Et Homer Simpson, il kiffe les donuts. Teste-le déjà sans truc stop, juste pour voir. Ok, je fais comme Homer.
des donuts. Sois honnête, hein. C'est trop, trop bon, Yacine. À ce point-là? Wallah. Est-ce que la pâte, elle est dure? La pâte, elle est trop bonne. Et en haut, ça met, c'est du chocolat blanc. On ressent le chocolat blanc avec le colorant. Myriam, teste ça. Ah, je comprends, Myriam. Merci, Simpson. Des donuts. Dis la vérité. Et c'est pas trop, trop bon. Elles sont vraiment super bons. Et ça, le combo ultime que Homer Simpson, il fait tout le temps quand il est au travail. À chaque fois, il va au travail, il arrive en retard. C'est leur sale réconfort. Il trempe ça dedans. Avec un gros bide. Oh, ma mâche. Combien sur 10 vous mettez aux donuts? 10. Franchement, on s'est tellement investi dans les recettes. C'est la première fois qu'on met autant de temps. Et ça fait super plaisir que c'est réussi. Comment elle est bonne, ta d'ailleurs. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quelle autre recette voudrait qu'on fasse pour l'épisode 2. Quel anime vous kiffez ou quelle série vous kiffez. On fera un épisode 2. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à ma recette. Moi, j'ai choisi Bob l'éponge. Il me fait trop rire. À chaque fois que je rentrais du collège, je regardais ce dessin animé. Et vous allez voir qu'il y a des recettes incroyables, notamment les pâtés de crabe. C'est des hamburgers vraiment super bons. Je me suis dit, est-ce que c'est un mytho? Est-ce que c'est vraiment bon? Bon, on va savoir ça. Let's go. Bob l'éponge, il est chelou. Il commence directement par un steak. Le ketchup, la moutarde, le cornichon, les oignons, la laitue, le fromage, les tomates et le pâte, tout ça dans cet ordre. Et à Johnny, en pleurant. Steak, normalement on commence par la sauce. Elle est trop bizarre. Ensuite il met quoi? Il met ketchup et moutarde. Ah, la moutarde, ça va être bizarre. Mais vas-y, on va lui faire confiance parce qu'il paraît, il fait les meilleurs burgers de toute la mer. Donc on lui fait confiance. Ah, la moutarde, j'en mets pas trop. Là, j'en mets pas trop. Parce que la moutarde, ça me sort par les trous de nez, j'aime pas. Ensuite, on passe au cornichon. Aïe, 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 aïe. Vas-y, je lui fais confiance à Bob. Je lui fais vraiment confiance, j'en mets pas beaucoup, parce que moi et les cornichons, j'aime pas trop ça. Et ensuite, il met les oignons. Les oignons, j'en mets que dans le mien. Parce que je sais que Myriam, sinon, elle va me faire la tête. Il va à l'étape de la salade. Et ça, elle est bizarre, sa recette. Là, Bob. Après, il a pas de cerveau, c'est une éponge. Il met le fromage juste après. Un petit fromage. Il doit avoir quand même une cervelle, hein, je pense. Ouais, il reste quand même les tomates. Hop, Myriam, je lui mets pas de tomates vu qu'elle, elle est allergique aux tomates, soi-disant. Ça, c'est le mien avec les tomates. Ça, c'est le tien sans tomates. On va cuire les burgers spécial Bob l'éponge et on va goûter ça. Les meilleurs burgers de tout l'océan, selon Bob l'éponge, sont là. Ils ont été très, très, très rapides à faire, contrairement à vos deux recettes. Okay. Donc, on va voir si c'est bon. Ton burger, je crois qu'il est là. Je trouve que c'est pas bon. Le mien, il est là. On va regarder ça. Il s'est un peu aplati, c'est normal, c'est la machine à tacos. On va se partir. Hein, par contre, lui, il cuit comment, lui? Lui? Avec une spatule, il met... au grill. Ouais, c'est croustillant. Tu sais, ça me fait rappeler quoi? Les batailles de pâtés de crabe à la plage. Non, les burgers du McDo. Combien sur 10? T'as vu quand tu vas en Turquie où le McDo, il est halal. Mmh. Franchement, le burger de Bob l'éponge... Je mets... 5 ou 6. Quoi? La tomate, elle gâche tout. La tomate à la fin, elle gâche tout. Sinon, ça va, c'est super bon. C'est pas validé. Je mets 6 sur 10. Bob l'éponge, il a fait n'importe quoi. C'est un gros mytho. J'ai la ceux qui sont dans la mer, ils ont pas de palais. C'est pour ça, ils savent pas les odeurs. Attends, je regoute pour voir. Peut-être j'ai mal goûté. Moi, j'attends. Non. Bob l'éponge, tu vois cette vidéo, enlève les cornichons et enlève les tomates et ton burger, il sera incroyable. Mais en tout cas, la famille, nous, on s'est régalé à faire cette vidéo. On a fait beaucoup d'efforts, donc s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous, c'est très important. Si vous ne sont pas abonnés, il y a des vidéos tous les mercredis, samedi, dimanche. Et pour un épisode 2, dites-nous dans les commentaires quelle série vous kiffez. Comme ça, on essaiera de faire selon vos séries que vous kiffez, ouais. À vous aussi. Vas-y, les gars, on enlève ces cornichons.